3, 2, 1. Moi, j'ose pas sauter. Ok, si, si, let's go. Aujourd'hui, ne choisissez pas spécial Squid Game sur Minecraft en compagnie du grand et du fameux Awariz. Alors Awariz, est-ce que t'es prêt à affronter ce ne choisissez pas Squid Game? Je suis prêt pour affronter ces trois personnages. Et toi, t'es prêt? Bah moi, je suis prêt, mais franchement, voilà, le dernier, le mastermind, le maître du jeu, il me fait un petit peu flipper. Puisqu'à mon avis, eh bien à l'intérieur, ça va être extrêmement chaud, ça va être extrêmement compliqué. Je vous laisserai découvrir tout cela au long de cette vidéo. D'ailleurs, c'est un petit peu le retour de ne choisissez pas sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas les règles, les voici dès maintenant. Bienvenue dans le Ne choisissez pas sur Minecraft. Dans ce concept, plusieurs bases différentes vous seront présentées. Chaque base est assimilée à un monstre ou à une entité plus ou moins hostile. Chacun d'entre eux contient des salles avec des missions bien précises qui seront inscrites sur un panneau. Diabolo devra donc les exécuter sans échouer. Mais attention, certains des monstres peuvent s'avérer imprévisibles et très hostiles. Il doit donc réussir certaines missions sans se faire tuer par ses monstres. Pour gagner le ne choisissez pas, Diabolo doit obligatoirement réussir la moitié des bases. S'il échoue plus qu'il gagne, alors le ne choisissez pas n'est pas validé. Bonne chance. Maintenant que vous connaissez les règles, eh bien vous pouvez voir que c'est un ne choisissez pas spécial Squid Game sur Minecraft. Ça veut dire que nous avons la poupée du 1, 2, 3 soleil en première tête. Ensuite, nous avons un membre du staff. Et pour finir, nous aurons le maître du jeu. Le maître du jeu, je vous avoue qu'il me fait vraiment flipper, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais voilà, je pense que vraiment l'épreuve à l'intérieur, elle va être extrêmement compliquée. Du coup, ce que je te propose, Awariz, c'est qu'on commence tout de suite, eh bien, par la première tête, celle de la poupée du 1, 2, 3 soleil. Alors voilà, on va découvrir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, j'espère ne pas être déçu. D'ailleurs, les abonnés, je vous propose un petit jeu. Voilà, l'arc-en-ciel, il est fait de plusieurs couleurs. Sur le skin de Awariz, il manque une couleur pour faire l'arc-en-ciel. Dites-la moi en commentaire. Voilà, ceux qui mettront le bon commentaire. T'as dit quoi? Non, moi l'arc-en-ciel il est bien, il fonctionne bien là sur moi. Mais... Non, il manque une couleur. En vrai, un arc-en-ciel, il y a plein d'autres couleurs. Enfin, non, il y a pas plein d'autres couleurs, il y en a une seule surtout en particulier. Ou peut-être deux, je sais pas. Mais dites-moi les couleurs manquantes, moi j'irai vérifier et je l'écris vos commentaires. Du coup, qu'allons-nous trouver à l'intérieur de cette première tête? Je me le demande bien. On va ouvrir tout de suite ces portes. What the fuck? Ok, il n'y a pas grand chose. Hein. Je suppose que nous allons devoir marcher sur les plaques de pression. Il y a juste un petit message. Ok. Bon, voilà. Abonne-toi, active la cloche de notification. C'est marqué s'il te plaît. Donc voilà une formule de politesse pour vous demander de vous abonner. Je crois que vraiment faut le faire. Hein. Je crois vraiment. Moi j'ai meilleure idée. C'est quoi ta meilleure idée? Oh non, abonnez-vous, s'il vous plaît. Non, on va pas faire comme certains autres youtubeurs Minecraft à pleurer pour des abonnements. Les gens ils s'abonnent s'ils veulent. En tout cas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'est marqué s'il te plaît. Donc voilà, si tu peux le faire, ça me ferait super plaisir. Puis comme ça, tu ne verras pas les prochaines vidéos. Bon bref, ceci étant fait, maintenant que vous avez commenté et que vous avez mis un abonnement... Attendez, il manque le like. À 7500 pouces bleus sur cette vidéo, il y a un nouveau ne choisissez pas qui sort, voilà, c'est dit, c'est fait. 7500, c'est pas grand-chose, t'as juste à mettre ton petit pouce bleu et il y aura un ne choisissez pas très prochainement qui sortira s'il y a 7500. Donc voilà, maintenant tout est fait, on va pouvoir marcher sur ces plaques de pression et voir où est-ce qu'on arrive. Est-ce que t'es chaud? T'es chaud ou quoi? Allez, je suis chaud, moi. Vas-y, en premier. C'est parti! Ok, c'est à moi. Ok. What the fuck, les abonnés? Wouah! Ok, t'es là. Ok, j'ai eu peur, je me suis dit, il est passé où, Awariz? Ok, non, ça veut dire qu'on arrive, et eh bien, sur le terrain du 1, 2, 3 soleil. Tu penses, Awariz, que ça va être comme dans la série? Genre, on va devoir faire le 1, 2, 3 soleil, tu vois, où on se fait genre... Ok, l'épreuve a commencé, elle commence à expliquer les règles. L'épreuve va bientôt commencer, bienvenue dans la première épreuve. Très bien. Les règles sont en train d'être explicitées. Soleil. Le but est simple. Bon, en vrai, demain, on connaît déjà retourne, un petit peu les règles, les abonnés. Et pour ceux qui ne les connaissent pas, eh bien deux, voilà, on trois, écoute soleil, Madame la Poupée. Pendant ce laps de temps, vous aurez le droit d'avancer pour arriver à côté de moi vraiment et dépasser les règles. À ce moment-là, vous serez qualifié. Mais attention, si je me retourne et que je vois bouger, alors vous serez éliminé. Bon, du coup, quand elle parle d'élimination, évidemment qu'elle parle de mort, ça veut dire que je pense que voilà. Si on fait un peu de la D, eh ben, ça va être chaud bouillant pour nous, on va sans doute mourir. S'il te plaît, Awariz, meurs pas dès la première épreuve, meurs au moins sur la deuxième, tu vois. J'ai une stratégie, moi. Ok, ça va commencer, vas-y, il faut qu'on se place, vas-y, go, vas-y, place-toi aussi. Let's go. Ok, vas-y, on se met là, chacun de son côté. Ok, c'est quoi ta stratégie? Explique-moi vite fait avant que ça commence. De mettre derrière toi.
Oh, oh, bâtard, t'es sérieux? Ok, ok, ok. Attention, ça va commencer, les abonnés. Ok, Waris, je crois que ça va commencer. Ouais, ouais, ça va commencer. Ok. 1, 2, 3, soleil. Oh. Ok, t'as utilisé la strat d'être derrière moi, du coup? Ouais, je suis derrière. Attends, j'ose pas bouger. J'ose pas bouger pour te regarder. Ok. Ok, pour l'instant, t'es vraiment derrière moi, je crois. T'es vraiment, ouais, vraiment derrière moi. Si je bouge, c'est toi qui meurs. 1, 2, 3, soleil. Ok, ok, okay, c'était chaud bouillant là encore. Ouah, hardcore, ok, ok. Et tu vas plus vite que moi, j'ai l'impression. Attends, t'es derrière moi encore? Attends, ouais, j'arrive pas à le voir. J'arrive pas à le voir, j'ose tellement pas bouger. Ok. C'est la stratégie. 1, 2, 3, soleil. Ok, je suis bientôt à l'arrivée, les abonnés. C'est vraiment, faut se concentrer. Ouah, mais vraiment, t'es tellement bien caché derrière moi. Je vais pouvoir me retourner après. Ok. 1, 2, 3, soleil. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Oh non. Ok, alors là, il va falloir que tu fasses attention à Waris. Ok, ok, c'est parti. Faut, meurs pas, s'il te plaît, meurs pas. Faut qu'on arrive à aller prochainement tous les deux à l'épreuve d'après. 1, 2, 3, soleil. Oh là 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 là, t'es chaud, hein. Heureusement qu'elle a tourné sa tête un petit peu après. Ouah, t'as vraiment vraiment eu chaud. Ok. Non, ça va être bon là. 1, 2, 3, soleil. Bien joué, bien joué, bien joué. Nice. J'ai fait tomber là ici. Bien joué, bien joué, bien joué. Franchement, bien joué. T'as géré ça. T'as d'être ça. Bon bah voilà. J'ai d'être ça, chacal. C'est plutôt un 1 sur 1, puis ensuite on verra la seconde épreuve si on arrive à faire un 2 sur 2, puis ensuite à la troisième si on arrive à faire un 3 sur 3, et un 3 sur 3, eh bien ce serait synonyme d'une victoire vraiment parfaite. J'espère qu'on va y arriver à Waris, j'espère vraiment. Après, peut-être que la prochaine épreuve on va perdre et on essaiera de faire juste un 2 sur 3, mais bon, voilà. On va gagner, je l'espère en tout cas, je l'espère. Du coup, on va sortir, je suppose, par cette petite porte, ok, et on sort. Du coup, ok, par la tête, eh bien, de tout simplement la poupée de Squid Game. Ok, donc là, on vient de terminer le 1, 2, 3, soleil. Donc voilà, ça pourrait nous donner un indice sur les épreuves que nous allions faire. Le problème, c'est que le prochain, bah, c'est juste un membre du staff. Du coup, bah, je sais pas trop ce qu'on peut faire avec un membre du staff, hein. Tu vas le pécho. Oui, bon, ok. Let's go. On va aller voir. Alors, let's go. On va rentrer à l'intérieur, eh bien, de ce membre du staff. Let's go, allez. Ok, ok, ok. Alors là, du coup, c'est comme tout à l'heure, sauf qu'il y a des sigles un petit peu chelous sur la porte. Je vais y aller en premier, c'est parti. Wow! Ok, les abonnés, nous sommes au tir à la corde. Ok, ça veut dire que si, eh bien, on s'en tient à ces épreuves, ça veut dire que la prochaine épreuve, ce serait non pas, je sais plus exactement c'est dans quel ordre, mais ça pourrait être très bien le pont de verre. Le pont de verre, pour l'instant, j'ai juste assisté en tant que maître, puisque j'ai pu me transformer en maître du jeu. Dans ma dernière vidéo, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, je l'afficherai à la fin de celle-ci. Mais je n'y ai pas participé en tant que joueur, et c'est ça qui me fait un petit peu peur, c'est que pour l'instant, je n'ai pas participé à cette épreuve en tant que joueur. Du coup, ok, le jeu va commencer, ok. Le jeu va commencer, ça veut dire que voilà, la prochaine peut-être, eh bien je devrais participer en tant que joueur au pont de verre, ça me fait extrêmement peur. Ça fait vraiment trop peur. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller, mais bon. Bienvenue dans la deuxième épreuve. Ok, donc là ça commence à expliquer les règles du jeu. Vous devez, grâce à une canne à pêche, tirer votre adversaire dans le vide. C'est plus un tir à la canne à pêche qu'un tir à la corde. Attention, si vous tombez, vous serez éliminé. Mais ça veut dire qu'Awariz, eh bien un de nous deux va mourir sur cette épreuve. J'espère que ce sera pas moi pour que je puisse continuer cette vidéo. Et que bah ce sera toi, malheureusement. Et ensuite, par contre, ça veut dire que si je me retrouve au pont de verre tout seul, mais comment est-ce que je vais faire? Bah, toi et ta chance, hein, je pense, hein. Ouais, moi et ma chance, mais bon. Ouais, je suis pas super convaincu. Ouah, comment est-ce que je vais faire pour le pont de verre si je suis tout seul? T'inquiète, t'auras beaucoup de chance. Ou alors, il faudrait que j'utilise, je sais pas, des animaux. Ouah, je sais pas trop comment est-ce que je vais procéder. En tout cas, ça va bientôt commencer. On va aller monter dans notre tour. Let's go. C'est bon, j'arrive en haut. Ok, je prends ma canne à pêche. Et nous allons attendre, eh bien, le début. Ok, Awariz n'est pas encore là. Ok, c'est bon, il est là. Je suis là. Ok, ça va pas tarder à commencer. Vous avez 1 minute 30. Ok, on a 1 minute 30 pour s'éliminer, Awariz. Du coup, eh bien, c'est parti. Let's go. Ok, hey, avance-toi là. Tu triches. Qu'est-ce que tu fais? Tu triches. Ok. Bah, ferme la porte. Ok, je ferme. Bon, en vrai, on est que deux, du coup, ça va. Les épreuves, on peut se les faire à deux, c'est quand même un peu plus facile. Ok, waouh. Ok, il faut pas que je le loupe. Wow, je suis en train de te louper complet. Et nul. Wow, ok. Ok, il faut faire attention parce que là, canne à pêche s'abîme. Ok, let's go. Ok, c'est chaud. Hop.
Ouais. Faut que j'arrive à le choper direct. Wow. Hop. Hop. Oh, ah c'est bon. C'est bon, c'est bon, je l'ai eu. Je l'ai eu. Ok. J'ai éliminé Awariz, ce qui va me permettre de passer à la prochaine épreuve. Tout seul, par contre. Ok. Let's go. Je vais sortir par cette petite porte. Ok, c'est parti les abonnés. Let's go les abonnés. Ok, c'est bon. Je viens de sortir de la tête du staff. Du coup, eh bien, on va passer à la prochaine épreuve, qui est simplement le mastermind, le maître du jeu. Du coup, voilà, c'est sans doute l'épreuve qui va être la plus complexe. Sur ce, ne choisissez pas. Du coup, j'ai vraiment pas hâte. Je vous le dis clairement, hein. J'ai vraiment pas hâte du tout. Donc voilà, on va passer du coup à cette prochaine épreuve qui est le mastermind, le maître du jeu. Les abonnés, je pense très clairement que cette dernière tête, eh bien, contient le pont de verre, l'épreuve du pont de verre que je vais devoir réaliser tout seul. Ça, c'est vraiment hardcore tout seul, c'est impossible. Je vois même pas comment c'est possible. Ça, je sais pas, il va falloir que je trouve une solution. Le problème c'est que regardez, c'est une immense flat grace. Du coup bah eh bien dans ce monde là je ne peux trouver, là-bas il y a une petite forêt. On va aller checker quand même, ça se trouve il y a des animaux dans la forêt qu'on pourrait peut-être utiliser. Genre je sais pas, genre il faudrait que je sais pas, est-ce qu'on pourrait choper, genre avec la canne à pêche tu vois, envoyer. Je sais pas comment c'est possible. Ou alors j'utilise la canne à pêche pour tester le verre. Mais il faudrait que je mette quelque chose de lourd au bout. Je sais pas trop comment ça peut le faire. Ou alors est-ce que je peux... Oh là-bas il y a des animaux. Ouah, si je me fais une petite laisse et que je ramène les animaux. Je sais pas trop comment est-ce que je peux m'y prendre les abonnés. Je sais pas trop, je sais pas trop. Les têtes elles sont là-bas, regardez-les. Le problème c'est que oui. Est-ce que je peux ramener genre une vache tu vois, et l'envoyer. Ah ouais, ça l'a fait avancer qu'un tout petit peu hein. Je veux pas genre l'envoyer tu vois, bien comme il faut. Ouah, ça va être chaud hein. Ça va être chaud bouillant. Mais écoutez les abonnés, on va y aller déjà et on va voir, on va viser là-bas. Hein. On va y aller, on va viser là-bas, on verra ce qu'on pourra faire. Ici, il y avait quelques vaches, mais en vrai, devant, on peut pas faire grand-chose. Du coup, on y retourne. On y retourne, on y retourne. Et on va rentrer dans cette tête du maître du jeu de Squid Game. D'ailleurs, autre petit commentaire, dites-moi si vous avez vu la série. Ça me ferait super plaisir de savoir si vous avez vu la série. Voir un petit peu, eh bien, ce que vous en avez pensé. Let's go, on va rentrer à l'intérieur, eh bien, de la tête du maître du jeu de Squid Game. C'est parti, let's go, hop, let's go, let's go, let's go, hop, c'est bon. Ah, là, c'est hardcore, les abonnés, là, c'est vraiment hardcore. C'est donc bel et bien l'épreuve du pont. Ok, les règles ont commencé à être expliquées. Donc voilà, donc je vais devoir utiliser cette canne à pêche, eh bien, pour tenter de péter le verre. Le problème, c'est que j'ai combien d'utilisations? J'en ai encore que 8, waouh. J'ai que 8 utilisations pour ma canne à pêche, les abonnés. Et il y a combien? Attendez, je vais compter combien il y a de plaques de verre. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 2, 14. J'en ai 8. Il va falloir que j'ai de la chance. Hein. Si déjà ça fonctionne. Si déjà ça fonctionne de balancer sa canne à pêche pour voir si ça pète. Si ça fonctionne pas, bon, déjà ce sera forcément la mort assurée. Si ça fonctionne, ben ça va être quand même timing très serré. Parce que il va falloir que j'ai de la chance, tu vois. Parce que si je loupe la première que je teste sur la deuxième. Ah, quoique. Non, si. Une fois que je sais que ça fonctionne, c'est bon. Une fois que je sais que ça fonctionne, c'est bon. C'est-à-dire que je vais devoir essayer deux fois. Ça veut dire que je vais avoir deux utilisations. Ça veut dire qu'il ne me restera plus que 5 pour cette plaque. Oh, c'est quand même très très chaud. C'est quand même extrêmement chaud. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais regardez, le maître du jeu vient d'arriver sur le balcon. Il était pas là au début, je ne sais plus. Remontez un peu la vidéo pour voir s'il était là au tout début, mais je suis pas sûr. Je crois qu'il vient vraiment d'arriver. Il y a le maître du jeu qui est juste ici. Ok, les règles continuent d'être expliquées, les abonnés, mais je les connais déjà. Je vais parler un petit peu à vous aussi, les abonnés. Ok, ok. Vous avez un pont parsemé de plaques de verre. Attention. Bon, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps, donc il va falloir y aller. Ok. Je balance le premier coup de canne à pêche. Et d'autres en verre trempé. Rien cassé. Normalement un hameçon, voilà un hameçon, je l'envoie fort le morceau canne à pêche, normalement c'est bon. Tandis que le on va lancer sur la deuxième pour voir si ça fonctionne. Attention, si vous chutez, vous serez éliminé. Bonne chance. Ok, la deuxième, la première ça n'a pas marché. 2 minutes 30 pour réussir. Ok, ça a fonctionné. Ok, ok, let's go. Ça veut dire que je vais devoir passer là-dessus. Ok, ok, wow, c'est tellement flippant les abonnés, c'est vraiment hardcore, hein. C'est vraiment très très flippant. Ok, je vais shooter celle-ci. Ok, ça a cassé. Ça veut dire que... Ok, ça a cassé la deuxième. Ça veut dire que clairement... Oh, mais attendez. Il me reste plus que deux utilisations. Waouh, 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 waouh. C'est déjà parti si vite. Ok, je vais sauter sur celle-ci. Ok, let's go. Oh la vache, j'ai envie de le jouer à la chance pour celle-ci. Ça fait quoi pour l'instant? Ok, juste... Ok, je suppose que quand même... La probabilité directe, c'est quand même plutôt par ici. Je vais le tenter à la chance. Je le tente à la chance ou quoi les abonnés? Let's go! Let's go! Let's go, ok, là j'ai deux coups, il va falloir que j'envoie. Ok, ok. Ok, ça, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est-à-dire qu'il me laisse un coup de canne à pêche. Ok, let's go pour celle-ci. J'envoie tout droit, ok, c'est parti.
Ok. Ma canne à pêche est broc. Je monte sur celui-ci. Donc là, ça fait quoi? Ça fait... Ok, ça fait... 1, 2, 1, 1, 2, ok. J'ai la pression, les abonnés. Vraiment, j'ai la pression. J'hésite à faire un saut, les abonnés. Genre, tac, tac, tu vois, si je vois que ça se pète, hop, je suis sur le bord, je peux sauter sur... Ouais, non, en vrai, c'est trop risqué, hein. Le stress, là, est en train de m'envahir, les abonnés. Il est temps de faire un choix, les abonnés. Yes! Yes, 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 yes! Ok, il en reste plus qu'un. Il en reste plus qu'un, et c'est la victoire. J'y crois, les abonnés. J'y crois. J'y crois, les abonnés. Maintenant, on va faire un truc dans les commentaires. Vous allez me dire, eh bien, simplement, sur quelle, eh bien, vitre vous auriez sauté pour voir si vous auriez remporté, tout simplement, les 40 millions. Donc voilà, ne trichez pas, écrivez le commentaire maintenant et on verra. Je vais juste comptabiliser un petit peu quel parcours j'ai suivi pour l'instant. On en a eu, du coup, là, c'est celle de droite et celle-là, c'est celle de gauche. Du coup, on a eu, au tout début, un à droite. Ensuite, on a eu, eh bien, ensuite, un autre à droite. Donc, ça fait deux à droite. Ensuite... 1 à gauche, 2 à gauche. Ah, attendez, c'était 2 à gauche ou c'est... Ah, je sais plus. Je crois que c'est 2 à gauche. Donc ça fait 2 à gauche, 2 à droite. 1 à droite. 3. Ok, donc normalement, ça devrait être celle de gauche. Pour moi, ça devrait être celle de gauche, du coup. Mais bon, c'est juste des probas, tu vois. Ça veut rien dire en vrai de vrai. Genre, waouh. Je sais pas. Oh là là, les abonnés. Bon. 3, 2, 1. Oh, j'ose pas sauter. Ok, si, si, let's go. Oh non, 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 non. Mais non. Mais non. Oh non, les abonnés, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais non. Bon, les abonnés, c'est déjà la fin de cette vidéo. Un grand merci à Awaris de m'avoir aidé à réaliser cette vidéo. Et à Spartax aussi. Voilà, leurs chaînes sont en description. N'hésitez pas à les check, et bien simplement, leurs deux chaînes. C'était une vidéo très très cool sur Squid Game, il y en aura d'autres si vous continuez d'aimer ce genre de vidéos, donc bombardez les pouces bleus, etc. Et puis voilà, allez bye tout le monde les potos, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime et à très très vite.